213 Rock with Eric Melodica on Vinyl Stein's Classic Rock Radio. I don't think the shock is real. While the riots are becoming more violent, many images show the presence of black mutants acting in organized gangs. No links seem to unite these individuals with the terrorist movements that have been plaguing the high city for months now. The Great Eye would not comment on the images of this new threat. And I told you so! And nobody believed me! The streets aren't safe anyway. And your fucking troopers change that! No, for me, it's all bullshit. It's just another trick to influence us, scare us into a void, and people open their eyes so a story of black mutants eating people, they can stick it up their ass. Then why not? Why don't we use this new thing? The revolution is every possible river to overthrow the Great Eye. People who want there exists no knowledge, but it's already too late.
Oh yeah, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, en direct ce soir, Chargotte. Tiana qui vient présenter donc volume 3, Let Me Out, ce soir en direct dans 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Bonsoir Etienne, bienvenue ce soir dans l'émission 213 Rock. Salut et merci à toi. Ouais, bienvenue donc, je me présente, Arag Melodica. Je suis en direct tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. La Web Rock Station s'intitule Vinyl Times Classic Rock Radio. Nous sommes basés en région parisienne et on diffuse à travers, effectivement, sur le net, quoi. Donc on a pas mal de connexions à travers l'Europe, c'est cool en tout cas. Et chaque soir, et c'est la folie totale, quoi, comme on dit, quoi. Pour le hard rock, pour le métal et pour d'autres styles aussi, en tout cas. Et merci d'être en direct ce soir. Le nouvel album Volume 3, Let Me Out, c'est quelque chose. Ben merci à toi, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, effectivement. Alors, donc, cet album est disponible depuis le 1er décembre, si je me trompe. C'est bien ça. Exactement, ouais. Ouais. 1er décembre. Ouais, le 1er décembre. Alors, justement, comment s'est passé aujourd'hui, hein, parce que vous êtes en journée promo, là, aujourd'hui. Là. Ça s'est passé comment, aujourd'hui, avec la rencontre avec la presse? Ben, écoute... C'était un petit peu long, un peu éprouvant, mais là, bah, je tiens le coup parce que tu es la dernière personne de la journée. Ah, bah tu vois. On a commencé à 11h et là, tu vois, tu es le dernier. D'accord, d'accord. Justement, tous ces médias que vous rencontrez, comment ressentent-ils Chargotte? Parce que j'ai l'impression que chacun a sa vision différente, hein, du groupe, en fait. Oh, ah, je saurais pas dire, mais là, en fait, Chargotte, c'est un truc qui est justement fait pour être assez personnel. Ça mélange beaucoup d'influences de la pop culture. Donc, en fait, chacun va avoir une petite vision bien personnalisée de qu'est-ce que c'est, en fait. Mais en tout cas, la chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que c'est de la musique électro-métal de bourrin, sur fond de post-apo cyberpunk, voilà, de façon festive. Ouais, mais justement, c'est tous ces médias-là, moi j'ai l'impression qu'ils ont une grosse attente de votre part. Ils attendent quelque chose de vous, quoi. Parce qu'ils s'intéressent de plus en plus à vous, mais ils attendent quelque chose de vous pour l'avenir, quelque chose de gros. Bah, en tout cas, il y a une bonne partie qui nous suivent déjà depuis des années et qui nous ont vu faire des salles, des petites salles jusqu'à des salles de plus en plus grandes, et effectivement oui, on peut dire qu'il y a une attente, quoi. Ils voient que le projet grossit, c'est ça, encore et encore, et bah ils se demandent un petit peu jusqu'où ça va aller. Et on va pas se mentir, nous aussi on se pose un peu cette question, c'est où est-ce que ça va aller, cette blague, quand même. Ouais, il y a peut-être aussi l'impact infondé par votre image, quoi, depuis le début, parce que ça grossit, effectivement. On voit par la mesure et les capacités des salles que vous absorbez à chaque concert, ça grossit de plus en plus, quoi, en fait. Oui, bah à chaque fois, année après année, effectivement, oui, ça monte. Là, dernièrement, on était à l'Élysée Montmartre. Ouais, c'est ouf. La dernière fois qu'on a fait des interviews avec Roger, bah on était sur notre premier petit bain, il me semble, deuxième, je sais plus. Ah bien. Donc oui, effectivement, ça a monté, quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Volume 3, donc, votre nouvel album. Moi, ce qui m'a fait plaisir dès le départ, c'est que vous avez pris le risque de mettre en disponibilité 5 titres avant la sortie de l'album. Il y a eu Life and Choice, il y a eu Great Eye, Red Light District, Are You Ready et Something in My Mind. Exactement, ouais. Et justement, et ça précédait le fameux long métrage Black Wave, hein, qui avait bien surpris son monde à sa sortie. Ouais, qu'on a mis plus d'un an et demi à produire, hein, pour le coup. Ça a été long, ce truc, mais oui, effectivement, il y a eu pas mal de choses qu'on a fait dernièrement. Il y a une volonté de justement de distiller l'album au fur et à mesure, déjà parce que ça fait longtemps que les gens nous réclamaient des choses, et puis que aussi, on va pas se mentir, hein, le monde de la musique change, les gens ont beaucoup changé leur façon de consommer la musique. Si tu sors un album d'un seul coup, pas beaucoup de gens vont l'écouter d'une traite la première fois, alors qu'en fait, quand c'est un morceau qui sort, alors que le groupe n'a rien sorti depuis longtemps, beaucoup plus de gens vont se jeter dessus parce que c'est un morceau. Bien vu. Donc, donc voilà, donc en fait, il va y avoir un truc en mode genre, oh, putain, t'as écouté le dernier Chargotte, c'est un banger. Et puis deux semaines plus tard, fait, ah putain, ils en ont sorti un autre, vas-y, on va l'écouter. Donc, en fait, sortir des trucs au fur et à mesure, c'est beaucoup plus utile que de sortir tout d'un seul coup, parce que les gens vont beaucoup moins écouter et seront peut-être beaucoup moins attentifs. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je pense aussi des plateformes, quoi. En fait, c'est pas fait pour les albums, c'est fait pour du single, tout simplement. Et en fait, tu sors un titre tous chaque mois et ça ira, quoi. Complètement. Après, c'est pas forcément ce que je préfère, on va pas se mentir. Ouais, bien sûr. Je suis quelqu'un qui est très branché concept album, mais malheureusement, faut aussi vivre un petit peu avec son temps. Je n'arrêterai pas de faire des concept albums, mais je distillerai des trucs au fur et à mesure.
bah justement pour continuer à entretenir un petit peu cet esprit de bah tiens, regarde, il y a quelque chose qui se passe, viens voir, et puis bah si tu veux voir la suite, rendez-vous dans 2-3 semaines, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, sur l'intro, The One Who Brings the Chaos, hein, il y a une femme qui scande I told you, so nobody believe me. En fait, tout ça, toute l'intro, c'est justement une espèce de zapping des émissions qui existent de la cité ruche. En fait, il y a une vieille tradition hein, qui existe depuis à peu près les années 80 où beaucoup de groupes d'industriels reprennent des émissions, des zappings, justement pour créer un climat un petit peu anxiogène vis-à-vis des médias. On a repris cette tradition, mais uniquement avec des médias issus de notre monde à nous, en fait. C'est que des choses qui existent dans notre univers. Donc c'est des fausses émissions, c'est des faux témoignages, c'est des faux micro-trottoirs, c'est principalement que des acteurs qui ont déjà joué dans nos clips, qui font des interventions là-dedans, histoire que ce soit complètement immersif et raccord avec l'univers qu'on a créé. Je pense que tu faisais référence à Ministry, à l'album Psalm 69. Je pense que tu faisais référence à ça. Effectivement, oui, Ministry est un des premiers à avoir fait ce genre de choses. Alors, je vais être tout à fait franc, je n'écoute quasiment pas du tout Ministry, c'est pas un groupe que j'aime beaucoup, voilà. Mais je ne peux pas nier l'influence que ça a eu, sur le milieu de l'industriel. Donc, je suis quand même obligé de les citer, même si effectivement, ce n'est pas mes références à moi, mais indirectement, oui, il y a une référence à Ministry dans notre travail. Et justement, le titre Let Me Out, c'est la chanson baston métal apocalyptique basée sur une dance floor, quoi, parce que ce titre il est en béton armé en fait. Oui, complètement. Bah, d'ailleurs, je dirais que ce titre là, ça a été un petit peu le gros déclencheur de cet album. Et je ne peux pas expliquer ni comment ni pourquoi, mais en fait, je me suis réveillé un matin avec ce morceau en tête. Je me suis jeté jusqu'à mon ordi et en 3 heures, c'était plié. C'est bon, je l'avais composé en fait. Il est fantastique ce titre. Fantastique. Ouais. Bah, vraiment, merci beaucoup. Mais je ne sais pas comment l'idée est arrivée, mais elle est arrivée et s'est imposée à moi d'un seul coup. Habituellement, j'ai des processus de création qui sont très divers. Je change tout le temps de processus de création à chaque morceau. Et vraiment, je peux pas t'expliquer. Je me suis réveillé, j'avais le morceau en tête et il a fallu que je le ponde tout de suite, là, maintenant. Voilà. Ouais, bah moi, j'ai des visions là-dessus quand j'écoute. Enfin, j'ai eu ce titre, l'impression d'être sur une dance floor au milieu, là. Et puis, avec les grosses enceintes et puis ça bombarde, le son, il bombardait. Tu vois, il y avait des effets sonores, hein, avec comme un, ça faisait un carnage, quoi, sonore. Et puis, l'impression d'être dans un IMAX, quoi. Tellement que le son, il est bon. Et puis, tout ce travail tout autour de ce nouvel album. Et puis, donc, ce titre-là, il était calibré pour ça, quoi. Hâte de voir ça en concert, quoi, parce que ça doit être terrible, quoi. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, on commence par ça. Ouais, mais c'est bien vu. En plus, pour la production, parce que là, c'est sur le coup, il faut parler de la production. Vous avez travaillé avec Arcotrauma, c'est bien ça, et Thibaut Chaumont. Exactement. Ouais. Exactement. Arcotrauma, qui est donc du coup dans les tambours du Bronx, ouais. Sonny Caria, Chrysalide, ouais. Qui est justement un génie de l'arrangement sonore. Ouais. Qui a du coup apporté sa patte ce dernier album et qui a fait des choses mais vraiment incroyables. Et Thibaut Chaumont, qui est l'ingénieur du son de Carpenter Brut, qui a fait des masterings pour Perturbator, Igor, Ulver, Sierra, Orch, enfin j'en passe, ouais. Qui a donc du coup mixé et réalisé l'album, qui a vraiment fait monter d'un très très gros step cet album de Chargot, quoi. Donc on est vraiment ravis de la collaboration de Thibaut et de Arco, ouais. Qui ont vraiment permis à l'album de monter plus haut que les deux autres, à mon sens. Ouais, c'est tout l'imagerie qu'il y a autour, hein, une espèce de science-fiction catastrophique, enfin une catastrophe ayant détruit la civilisation, ou alors une guerre nucléaire, une collision avec une météorite. On peut imaginer tous les sujets autour de votre groupe, quoi. Ça manque pas, les sujets, en tout cas. On sent la puissance, hein, des loops, des samples, ce côté un peu synthwave très dark à rythme effréné. Donc tu vois, ça sonne super, tout ça. Il y a un mix de malade, quoi, tout ça pour dire. Oui, il y a beaucoup d'influences, hein. On va se balader du côté de l'EBSM, de la dark electro, la grotesque. Ouais. Le techno hardcore, la psy trance, on touche un petit peu à tous les styles d'électro, mais toujours avec des riffs très tranchés, très efficaces. Ça a toujours été la recette du groupe. Maintenant, les influences, il y en a plein. Ouais, y en a sur plein. Chaque morceau, chaque morceau a ses influences propres, et on cherche toujours à faire un truc un petit peu différent, quoi. Ouais, justement, il y a une grande place de cinéma dans ta musique, hein, et ça depuis dès le départ. Tu l'as voulu à la place de Chargot, hein.
Y a, ah oui, bien sûr. Ouais. Bah, de toute façon, enfin, je suis un gros geek et je suis très fan de jeux vidéo. Donc, les BO de films, les BO de jeux, tout ça, c'est ceux qui m'ont toujours bercé. Et c'est quelque chose, cette espèce d'ambiance cinématographique. J'ai toujours voulu incorporer ça à la musique. Pour moi, Chargot, c'est pas juste un projet musical, c'est un projet transmédia. Mmh. De pouvoir justement s'adapter à peu près à tous les supports possibles. Que ce soit la BD, le cinéma, le jeu vidéo, toutes ces choses-là. Pour moi, en fait, ça doit pouvoir s'hybrider en fait à toute forme de créativité. Mmh. C'est comme ça que je l'ai pensé en tout cas. Moi, ça m'a fait penser à Soleil Vert à cause du vert qui traîne sur vos photos, quoi. J'ai eu tout de suite le film de Richard Fletcher. Je me suis dit tiens, avec Charlton Heston, ça m'a rappelé Soleil Vert. Voilà, c'est avec ce côté pessimiste, tu sais, du futur. C'est un peu votre style, quoi. Dystopique, ouais. Bah, complètement. Enfin, on est dans de la dystopie 10 000. Hein. Voilà, il y a beaucoup de mes influences qui viennent des univers dystopiques, hein, que ce soit Mad Max, cyberpunk, ouais. Transmétropolitane. John Carpenter peut-être. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Coup, ok. Warhammer 40 000, mm-hmm. Voilà, beaucoup aussi. Ouais. Beaucoup d'univers en fait où le futur a littéralement dégénéré. J'avais pensé un peu à David Fincher aussi. Enfin David Fincher. Un peu dans le film c'était Eraserhead, je crois que c'était. Il y a longtemps que j'ai vu ça. C'était j'étais étudiant. Oh là là, oh là là, oh là là. C'était le film espèce en noir et blanc, tu sais, totalement indus. Oui, il y a deux mots dans le film. Très très bien. Ouais. Je vois très très bien ce que c'est comme film. Il m'a mis atrocement mal à l'aise ce film. Ouais. Je l'ai vu. Je me souviens, j'étais encore étudiant et un pote il me le met ça à 5 heures du matin. Il me dit oh, je vais te montrer un film, t'as jamais vu ça. Ta vie. Il y a trois mots dans le film. Hein. Ouais, je crois que je l'avais vu, je devais avoir 20 piges. Ou un truc ouais, c'est ça, il y a très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le film m'avait mis très très mal à l'aise. Alors pour le coup, non, ce n'est pas une influence. D'accord. Mais tu connais. Mais tu connais. Je connais. Okay. Je connais. Ah putain. Mon dieu, avec la femme au radiateur. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Ouais. Où est-ce qu'il est allé chercher ça? Ouais, dans le vieux Berlin là-bas, là. C'est un truc de fou. Oh, la drogue, je suppose. Ouais, ouais mais certainement. Mais ouais, c'était un peu le style, quoi. Effectivement. Et justement, ce concert à l'Élysée Montmartre, ça s'est bien passé. J'y étais pas. Hein. Donc, pour ça, je te pose la question. Ça c'était comment? Qu'est-ce que t'as retenu? Tu sens que le groupe peut encore aller plus loin? Ah oui, alors le groupe peut toujours aller plus loin, de toute façon, des idées pour aller plus loin, on en a toujours un paquet, et là, de toute façon, on a quelques mois de pause devant nous pour commencer à bosser la prochaine tournée, donc là, on va rentrer en résidence, on va pouvoir retravailler davantage tout ce qu'on voulait faire au niveau des lights, en placement, enfin, il y a beaucoup de trucs que je vais améliorer. Après, le concert en soi, l'Élysée Montmartre, je vais pas te cacher, pour nous, c'était une tuerie. Même si on était quand même un petit peu stressé parce que Paris c'est quand même un petit peu le fief, c'est un peu notre terre-terre quoi. Donc ouais. On était là genre putain vas-y s'il y a bien un endroit où faut surtout pas qu'on se foire c'est là. Et ça a été une des meilleures dates de la tournée quoi clairement. Ah super. Les gens étaient super réceptifs, c'était bagarre du début jusqu'à la fin, mais la bonne bagarre quoi, c'est la bagarre festive. Tout le monde se fout sur la gueule mais avec le sourire. Et pour le coup, c'était bien rempli, il y avait du monde, c'était une super ambiance. Ouais. On s'est fait déboîter au merch, c'était parfait. Non, vraiment, c'était une super date. Ouais, la soirée aurait pu s'appeler Love and Drama for a Great Audience. sauf qu'il n'y a pas eu de drama, donc ouais. Voilà. Love and bagarre, voilà. Le seul truc, c'est que ça n'a pas été eux le public le plus bagarre, alors qu'habituellement c'est toujours les Parisiens les plus bagarres. D'accord. Exceptionnellement sur cette tournée, ça a été les Lyonnais. Voilà, je tiens à le préciser. Ouais. Les Lyonnais ont littéralement retourné le Ninkasi. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. On a eu je ne sais pas combien de slammers sur scène, des gens qui sont montés, qui ont foutu le bordel comme pas possible. Non, c'est vraiment la date la plus apocalyptique qu'on a eue de toute la tournée, mais c'était vraiment vraiment génial quoi. Bah c'est super. Et en fait, il faut dire aussi qu'il n'y avait pas de crash barrière là au Ninkasi. Donc là, ils s'en sont donnés à cœur joie, alors que chez les Parisiens, il y avait des crash barrières. Je ne sais pas. On va peut-être dire que c'est à cause des crash barrières, peut-être. Allez, risquons la mauvaise foi. Mais en tout cas, sur cette tournée. C'est les Lyonnais qui ont gagné la palme du public le plus vénère haut la main. Ah,
Ok, d'accord. Et donc justement, là, tu as précisé tout à l'heure que les deux prochains mois, vous allez être au repos. Ensuite, vous allez commencer à attaquer les nouvelles dates, plus l'avenir. Parce que là, maintenant, il s'agit de faire toujours mieux. C'est dur, hein. Alors, c'est dur, hein. Pas les deux prochains mois. On va rester même un petit peu plus longtemps au vert. A priori, je pense qu'on devrait reprendre entre avril et mai. D'accord. Parce que là, déjà, j'ai le montage du clip à m'occuper. D'accord. Puis ensuite, il va y avoir les résidences. Et en fait, on va revenir uniquement pour des festivals. On revient pour les fêtes et après, on reprend les salles à partir de septembre. Waouh! Allez, en direct ce soir, Étienne Blanqui, donc le Chargotte, en direct ce soir, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, qui vient présenter effectivement l'album volume 3, Let Me Out. Voici le track listing. L'album démarre avec The One Who Brings the Chaos. Fantastique intro. Ensuite, en deux, Let Me Out, super titre, très certainement peut-être le meilleur titre de l'album. Red Light District, enfin mon titre préféré. Hein. Ensuite, en trois, Red Light District, le Life and Choice, qui est vraiment aussi Choices, qui est pas mal du tout. Jump, Great Eye, Cut Out, Love and the Drama for a Great Audience, Ghost in the Walls, et en 10, Chaos Area, en 11, Sick, en 12, Are You Ready, et en 13, Something in My Mind. Étienne, s'il te plaît, as-tu un petit mot avant la fin? As-tu un message pour les auditeurs, s'il te plaît, et quand est-ce qu'on pourra vous revoir, mais surtout en banlieue parisienne? Ça, c'est important. Alors, pour la banlieue, j'avoue que je n'en sais absolument rien parce que je n'ai pas encore toutes les dates de mes tourneurs. Mais j'espère le plus tôt possible. Sinon, pour ce qui est des auditeurs, franchement, merci du soutien, merci de nous soutenir, et surtout merci à toutes les personnes qui créent en rapport avec l'univers. Je dois avouer que ça nous dépasse. On voit de plus en plus de gens qui se mettent à créer des armures, des make-up, des dessins, des poupées, ou des trucs comme ça qui sont en rapport avec notre univers. J'avoue que je ne pensais pas un jour créer un univers artistique qui allait me dépasser à ce point-là. Donc tant mieux et puis merci. Ouais. Il y a même puis, surtout. Ouais. Il y a un média qui vous a appelé les rockers mazoutés. J'ai rigolé. Oui, ça correspond très très bien, ça correspond très très bien, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Et puis bah du coup, bah le dernier mot de la fin, le même, l'unique depuis toujours, c'est Dindon. Voilà. Ok, merci beaucoup. En direct ce soir, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, Étienne du groupe Chargotte. Tout de suite, le single Are You Ready? Et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook donc du groupe. Vous y trouverez l'adresse concernant leur beat cartel. Ça, c'est important. Allez-y voir. C'est l'adresse, le chargotte.beatcartel.com. Il y a de très, très beaux t-shirts disponibles. Il y a la fameuse tête avec le petit logo avec l'œil. C'est très joli, en tout cas, avec sur fond t-shirt noir avec de très très belles couleurs vertes. 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Tout de suite le single Are You Ready? Oh yeah, 213 Rock.
213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, Chargotte, Are You Ready? Je rappelle, le nouvel album est disponible, volume 3, Let Me Out, depuis le 1er décembre. N'hésitez pas à aller sur le Big Cartel du groupe, hein, à savoir chargotte.bigcartel.com, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Waouh, voilà, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain soir à partir de 20h. Oh yes, 213 Rock.